tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une mise à jour de Ayla et Ambra. Comme vous voyez, j'essaie de faire cette entrée un peu drôle, on va dire ça. Dans cette. On va dire c'est une cache. Je sais même pas comment ça s'appelle. On va déjà commencer avec les animaux. Je vais vous mettre le bruit du jeu. Parce que là, je l'ai pas du tout. Du tout. Alors voici le petit renard qui va avec Ayla. Renard de la machine lunaire. Je vous ai déjà pris tous les deux avant la vidéo. Donc on est à quoi 10 3 minutes. Je vais pas vous lire le truc du renard. Enfin des animaux. Non mais plus des chevaux. En plus j'ai déjà des noms pour eux. Je ne me dirai pas après. Voici le petit renard magique lunaire, j'adore son bruit. Attendez. Et voici le chat de l'enchantement d'ambre. La semaine prochaine. Trop chou. Déjà c'est la 500e mise à jour de ce soir. Désolé, je me cogne juste à mon bureau. Ensuite, la semaine prochaine, il y aura le fameux monde. Le monde. On va appeler ça le monde des nuages arc-en-ciel. Le monde des arc-en-ciel, on va dire. Le monde des nuages en tout cas. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Oh, je suis vraiment nulle pour me renseigner. Voici mon petit Flash Singer qui est passé niveau 15. Je suis hyper contente. Ensuite, là c'est la sacoche de Soul Rising. Je vais vous montrer une fois. Je vais pas en faire des catalogues. Ça durera plus que moi. Mais je vous montrerai pas ça tout de suite. Je vous montrerai la dernière partie. Sinon, on va aller voir ces jolies petites. Chose. Oh là, c'est trop belle. Il y a un bras juste à côté. C'est deux noms. Je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus quoi. C'est un peu de moi. Alors, et là, les cycles lunaires de son... Je vais recommencer. Les cycles lunaires sont un mystère à Jorvik. Mais lors de ces nuits rares et spéciales où la pleine lune éclaire l'île de ses rayons, sa lueur révèle un gracieux cheval appelé Ayla. Oh, je suis trop contente de pouvoir les acheter enfin. De nature plutôt solitaire, Ayla passe la majorité de son temps dans la nature sauvage du nord de Jorvik et au-delà à la recherche de magnifiques aurores boréales qui illuminent le ciel de teintes bleues, roses et violettes, un peu comme sa robe, un peu comme la robe magique de Ayla. J'y pensais justement avant qu'ils le disent. Super. Malgré leur attitude timide, les Ayla sont extrêmement protecteurs envers les personnes et les animaux avec qui ils forgent un lien. Le chat m'a coupé. Peut-être même un peu trop. Attends-toi à de la jalousie dans ton écurie si tu décides d'accueillir une de ces loyales beautés. Oh, il l'appelle beauté. Oh, c'est pas possible, il l'appelle beauté. Tu crois pas? Alors pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo le mercredi, tant que je vous la filme, normalement je la posterai. Normalement. Je tiens à vous dire qu'il fait très chaud aujourd'hui, alors allez dehors. C'est ce que je ferai juste après. Après avoir essayé, c'est vrai. Alors vu que la légende raconte que ce cheval magique et resplendissant parcourait autrefois le cercle de lumière autour de la lune, veillant sur les habitants de l'île, jusqu'à ce qu'un jour il pose sa bosse sur terre pour sauver un de ses amis tombé dans les flammes de la furie de Garnet. On dit que les Ayla... Dites un peu à vos chats d'arrêter de miauler dans mes oreilles, je sais pas lire en entendant un chat miauler, bon sang. On dit que les Ayla de Jorvik sont des descendants de cette créature mythique qui cherche encore
leurs amis perdus. Ils me respectent ça. Dis donc, je pensais pas que les... Comme les autres chevaux magiques de Jorvik, Leila montre ses véritables couleurs dans les lieux sauvages et les cages dans les zones peuplées. En vrai, ça sert un peu à rien que je le lise, alors je vais pas le lire. Tout simplement parce que SSO aurait quand même dû changer. Avec la mise à jour, maintenant on peut mettre la robe de notre cheval quand on le veut. En magique ou pas, quand on le veut. Alors ce serait bien qu'ils l'enlèvent. Mais peut-être qu'ils vont le laisser, j'en sais rien. Alors, le dernier paragraphe, je vais le balayer. Et là, j'avais proposé de l'appeler Blue Crystal. Donc le cristal bleu. Surtout que ça le fait trop. Ça fait trop pour une robe aussi merveilleuse qu'elle. Attendez, là, cristal. En vrai, je pourrais toujours voir s'il y a Blue Flower. Juste voir. Mais sinon, je l'appellerai quand même cristal. Je vais regarder, j'espère que... Enfin, si, ce serait quand même bien. F. Ah oui, il y a Flower. Ouais, mais je vais prendre cristal, moi. Dites-moi si vous préférez Crystal ou Flower, Blue Flower ou Blue Crystal. En gros, ben, fleur bleue, cristal bleu. Félicitations pour ton nouveau cheval. Ton nouveau joli cheval est transporté à son écurie. Tu le retrouveras dans ton écurie. Ton nouveau joli cheval. Vous n'aurez pas pu mettre ton joli nouveau cheval ou quelque chose comme ça. Un peu d'imagination. Voilà. Vas-y, oh, j'aurais me le procurer. Umbra, les cycles linéaires sont des mystères à Jorvik. Mais lors de ces nuits rares et spéciales où la nouvelle lune plonge l'île dans la pénombre, la nuit d'encre attire un gracieux cheval appelé l'Umbra. L'Umbra préfère se cacher dans les ombres des épaisses forêts de Jorvik. Il, oui, alors qu'elle là, c'est elle. Puis ce que je voulais. Je vais continuer. Il vit dans les forêts et se fie à la lumière diffuse du sol pour se déplacer dans les bois. Grâce à sa crinière de feu, l'Umbra a une température corporelle bien plus élevée que les autres chevaux. Il est toujours ravi de partir au galop à la poursuite des étoiles dans le ciel nocturne. À Jorvik, la légende raconte qu'un cheval... Oui. Un cheval magique et menaçant rôdait sur la face cachée de la lune jusqu'à ce qu'un jour les flammes de la furie de Garnock attirent son attention. Le cheval tomba de la lune dans le volcan bouillonnant, enflammant sa crinière. On dit que les Umbras de Jorvik sont des descendants de cette créature mythique qui regarde encore aujourd'hui la lune avec envie, car ils ne peuvent y retourner. Et voilà. Alors maintenant, lui, j'avais décidé de l'appeler Bronzefire, le feu de bronze. Je trouve que c'est un nom... Déjà, ça commence tout à l'heure par B. C'est spécial. Je trouve que c'est un nom qui lui correspond parfaitement. Parce que je sais plus trop. Je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Je sais même pas pourquoi je vais l'appeler comme ça. Fire, déjà, pour sa crinière de feu. Mais bronze, le feu de bronze, je trouve que ça lui va quand même bien. Et j'ai dépassé la feuille. Ah, ça tombe pas. Et voilà. Ce cheval est merveilleux. Merveilleux de chez merveilleux. Je sais pas comment. S'il y en a qui n'aiment pas ce cheval. Maintenant, il y a un nouveau bouton pour interagir. Je vous le montre. Par exemple, petit exemple, quand vous voulez appuyer sur votre cheval, vous utilisez votre souris. Vous n'avez qu'à appuyer sur E. Là, vous aurez tout le truc. Il y en a qui me spoilent déjà. Le bras, il est là. Je suis pas contente. Ça se fait vraiment pas. Et maintenant aussi, vous arrêterez votre cheval quand vous voudrez. Et faire ce que je veux. Il va pas ralentir. C'est dommage parce que j'aimais quand même bien le petit bruit, mais comme ça, quand vous faites des courses, c'est plus pratique. On est dans mon écurie, tranquille. Voici Umbra et Ayla. Je vous avais jamais montré ou non? Oups, je voulais pas.
Vous avez jamais montré Uno, vraiment. Bah voici Uno. Bonjour Uno, ça va? Oh, on a fait ses petits yeux, sa petite boule. Un bras et... Ayla! Oh, je passais un bras au bon endroit, mais ça s'aime. Ayla et un bras. On va tout d'abord commencer par Ayla, quand même. Cette fois, aujourd'hui, je vais vous faire la tenue avec vous. Je vais faire la tenue, bah, avec vous. Déjà, j'ai déjà la selle, mais bon, le tapis, ça ira pas du tout, du tout. Ma beauté! Ma beauté. J'ai une de ces beautés dans mon écurie. Le blanc, ça pourrait lui aller, en vrai. Le blanc, ouais, ça ira, en fait. C'était un simple camion ou tracteur qui passait par chez moi, hein. Si vous avez entendu le bruit, alors désolé. Non. Ouf! On peut les mettre. Ça, on peut. J'aurais voulu mettre celle-ci, mais ce serait mieux quand même un bridon sans moi. Comme lui. Ouais, lui, ça ira. Avec son petit copain. On va mettre son petit copain. Alors. Pour l'endroit, on va aller faire ça. Regardez comme ça va être bien ensemble. Pour l'endroit, on va aller le faire. Je sais pas d'idée. Silverglade, ouais. Et bah, en route vers Silverglade alors. Vous avez vu, je me suis un peu ramassée. Désolée, Blue Blue. J'espère que ça va aller, hein. Les yeux. On va faire une revue des allures et d'abord de sa robe. C'est vraiment magique, j'adore. Attendez. C'est juste que ça fait un peu bizarre là, comparé aux autres. Bah là, ça fait un peu bizarre les motifs comme ils sont faits là. Sa robe est nettement plus belle et sa crinière aussi quand même. Sa robe et sa crinière sont nettement mieux faites que ça. On pourra même pas voir que c'est une tresse en fait. Mais la couleur. C'est un petit animal aux yeux bleus. Oh, elle a les yeux mauves. Elle a les yeux bleus mauves. Trop beau. Même ses oreilles et ses motifs sont bien faits. Oula, les gros plumes. Ensuite, ça représente quand même vachement une fleur, je trouve. Qui détaille, c'est un truc, c'est de racine et en fait. Voici sa robe normale. La queue, ça a toujours pas changé en vrai. Et je me suis trompée de bouton, mais ça, c'est pas grave. La queue, ça a rien changé, je trouve. Faut voir là. Les détails, j'adore parce qu'il est grise. Et ses yeux sont bleus. Oui, j'adore. J'adore ce bleu. La musique de Silverglade. Oh! Il y a toujours les détails. Mais j'abaisse le son parce que Silverglade, c'est en train de me briser les oreilles. Maintenant, on va faire une revue des allures. Je pense que je vous avez déjà fait la vidéo où j'ai acheté Cloud Chance. Mon nom d'allure gris-pommier. Mais en vrai, ça fait vraiment gris-pommier. C'est trop, je trouve. Surtout là, ça va trop. Mais oui, on les voit aussi, les petites pommes mûres, là, ça remet. Le pas. Oh, ça changera, je trouve. Une dume en concours. Bah, j'ai pas prévu dans la vidéo. C'est fini. Mais en vrai, je sais pas. C'est trop beau. C'est juste que c'est dommage parce que quand la crinière est attachée, ça colle.
Même là, on voit. Oula, on voit que ça colle quand même. C'est vraiment tout collé. C'est pas bon. On n'a pas l'impression, mais ça. Mais le motif du rose, le mauve, au bleu. Oh, mon bonheur, c'est trop beau. Bien sûr, il y a une. Il y a les sauts après. Mais bon, les sauts, je sais pas si c'est un peu faire. Oups, c'est le téléphone. L'arrêt d'urgence. Il a rien changé, l'arrêt, en fait. Je sais même pas si je vais vous faire les revues d'ailleurs. Pour Umbra, je pense que je vais juste faire une revue de sa robe. Et le pas espagnol pour finir. Mais c'est trop beau. J'ai plus de l'argent. Oh, c'est triste. Je suis fauchée. Le blanc, ça lui va pas trop. On va dire ranger petit compagnon de Ayla. On va ranger son petit compagnon. Déjà, il faut dire copain. Ouais, mais sérieux, c'est vrai ça. J'ai un peu rangé mon écurie vite fait bien fait. C'est vraiment le moment le mieux adapté pour le faire en fait. Quand tu es en train de filmer, tu te dis, je vais ranger mon écurie. Elle est pas belle. En vrai, pour une vidéo, ça va pas le faire. Mais c'est vraiment le meilleur moment pour la faire, quoi. Et aussi, c'est vraiment pas le moment pour faire une revue des animaux. C'est ton écurie. Bon, sinon, j'ai pas de tapis noir ou du mauve ou ce mauve là. Bon, on va partir sur le premier mauve que je vous ai montré. Hein. Ça me va trop bien. Sa crinière détachée. Vous voyez le cheval biche magique. Bon, là, on va y aller ensemble parce que j'ai une question à vous poser. Mais vous pouvez me mettre la réponse en commentaire. Cette année, avec l'émission qu'on avait de Noël, on avait aussi la mission de faire de calmer les chevaux magiques biches. Il y en avait qui avaient la crinière en 13 d'étalons. 13 d'étalons, comme ceux qui ne sont pas vraiment dans les chevaux, c'est pas comme on avait vu sur Ayla. Oups, désolé, je me prends tout le temps. C'est... Et d'autres avec de la crinière détachée. Comme pour le moment sur un bras. Dites-moi si est-ce qu'on peut leur faire des 13 d'étalons ou pas. Ou c'est direct crin détaché ou attaché, je sais plus. Dites-moi si on peut leur faire quelque chose, sinon, ben voilà. J'ai pas sorti le chat. Oh, mais le chat est trop beau. Et il a. Et les yeux du chat. Oh, mais ils sont parfaitement assortis avec ceux. Oh. Je vais pas vous faire les allures d'un bras, mais au moins, je vais vous faire. Au début, je voulais l'appeler Bonfire. Pas bronze, bonne d'ailleurs, mais il n'y avait pas. Et vous voyez Spirit Fire dans mon écurie, c'est à peu près le même que sa robe normale. Moi au début, je pensais que c'était lui, pas du tout. Je me suis bien loué. Sa crinière, mais c'est du pur bonheur de regarder sa crinière. Quand elle disait crinière de feu. Vous avez bien raison. Le dessin. Je suis contente de ne pas avoir mis du bleu. C'est mon chat là. Je pense que c'est mon chat. Mon chat.
pas espagnol, ça fait trop. On écrit un bouche comme ça. Sinon, sur ce, j'espère que cette vidéo mise à jour vous aura plu. N'hésitez pas à, je sais pas pourquoi, à la regarder jusqu'au bout peut-être. Sinon, sur ce, à la semaine prochaine, en audio. Bye bye!